je vais très bien. Non, mais oh. Tu ne bégayes plus. Il dit, mais non, je bégaye plus. Ça y est, c'est l'ancien temps. Boudère. Bon, c'est un mec, c'est la première fois de sa vie qu'il vient à Paris. T'as compris? Maintenant, il arrive à Gare du Nord, il appelle un taxi, il prend le taxi, il rentre dans le taxi. Le taxi dit, je vous dépose où, Montparnasse, il y va. Et pendant tout le trajet, il saoule le taxi avec des questions. Et la Tour Eiffel, c'est comment? Et les filles, comment elles sont? Et les Parisiens? Et le taxi, il n'en peut plus, tu vois. Mais il ne le calcule pas trop. Et à un moment donné, il dit au taxi, excusez-moi, le petit rond que vous avez au bout de la voiture, c'est quoi? Le mec avait une Mercedes. Il voit que c'est un... Il dit ça, c'est un viseur. Quand il y a un mec qui m'énerve dans la rue, je vise et je l'éclate. Il dit, regarde, par exemple, cette vieille dame. Il fonce, le mec en taxi, il fonce. Arrive à la vieille dame, il tourne, il entend pas. Et le mec derrière, dit, heureusement, j'ai ouvert la porte, tu l'aurais raté. Deux mecs qui sont bègues, ils ont grandi ensemble, ils ont fait l'école primaire ensemble, le collège ensemble, le lycée ensemble. Mais arrivés à la fac, ils se sont séparés, chacun a fait sa fac. Et deux ans après, ils se retrouvent par hasard dans la rue. Et le premier bègue, il croise le mec, il dit boum 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 Bernard. Comment tu vas? Eh ben, je vais très bien. Non, mais oh. Tu ne bégayes plus. Il dit, mais non, je bégaye plus. Ça y est, c'est l'ancien temps. Comment t'as fait? Il dit, bah, c'est simple. J'ai été voir un marabout. Il dit, mais maman, un marabout? Comment ça, un marabout? Il dit, t'inquiète pas, tu veux parler normalement comme moi? Il dit, bien sûr. Il dit, écoute, il donne l'adresse. Il dit, tu vas... T'appelles pas, parce que comme t'es bègue, t'as pas le forfait, toi, ça va durer deux jours. Vas-y directement. Il dit, d'accord, je vais y aller à pied. Il dit, ouais, prends à pied, parce que maintenant, dire au taxi où tu vas, ça va durer deux jours. Il y va, le mec, il sonne. Bonjour. Eh bien oui, je sais pourquoi vous êtes là. Il dit, on vous a prévenu? Il dit, oui, rentrez. Alors il rentre dans une chambre noire. Il dit, il entend juste une voix qui dit, avancez. Il avance. Allez dans la deuxième pièce. Il dit, mais oh. Mais qui me parle là? Il dit, avancez et déshabillez-vous. Il dit, oh, je peux pas, enlever toutes mes affaires, quand même. Il dit, déshabillez-vous. Il se déshabille, bon, on exécute. Il dit, penchez-vous en avant. Il dit, oh, ça sent pas bon, ça. Alors, le mec, exécutez-vous si vous voulez parler. Oh, il se baisse. Un mec, il met un concombre dans le... Il dit, il dit, revenez demain pour la lettre B. Un petit garçon, sa mère, elle lui dit, va nous acheter de la confiture. Pénurie de confiture dans le quartier. Il y va, il rentre chez l'épicier, il dit, écoute, maman, elle t'a dit, donne-lui de la confiture. Il dit, ça tombe bien, j'ai une confiture qui vient d'arriver des États-Unis. Le petit, il prend la confiture, il l'achète, il rentre chez lui, mais sur le chemin, il dit, les États-Unis, il faut que je goûte. Alors, il ouvre le truc, il la goûte, il fait, allez. Il n'arrive pas à parler, il arrive chez sa mère, il dit, maman, j'ai ouvert la confiture, et maman, quand je parle, ça fait ça. Sa mère, elle dit, mais c'est pas possible, donne-moi le pot. Elle prend le pot, elle dit, mais c'est... Oh l'enfoiré. C'est un truc de fou. Quand je... Le père, il sort, mais qu'est-ce que c'est quoi ce bordel? Le petit, il a été acheté la confiture, et maman, oh, bam, ça fait ça. Le père, il prend le pot, il dit, mais c'est pas possible, cette famille. Oh l'enfoiré. C'est pas possible. Il part énervé chez l'épicier. Vous m'avez rendu une confiture qui marche pas. L'épicier lui dit, écoute, moi j'en ai rien à foutre. Si t'es pas content, on va au commissariat. Ok, j'irai, vous allez voir. Il va sur le chemin, il connaît pas le chemin pour aller au commissariat. Il croise un mec, il dit, excusez-moi. Le commissariat, parce que je viens de manger un pot et l'autre, il le fait. Ah.
Le couple présidentiel. Actuellement. Oui, oui, Monsieur Macron, Madame Macron, ils sont au Maroc, ils se baladent. Ils ont besoin de souffler un peu. T'as compris l'année qu'ils ont eue. Ouais, c'était relou. Ouais, c'est vrai. Ils tombent justement sur un génie. Une lampe, ils frottent, le génie il sort. Et il dit, vous avez le droit à un vœu. Et d'écouter, mon génie, je suis le président de la République, je vais avoir des problèmes avec cette blague, moi. Monsieur le président de la République, j'aimerais bien, comme mes parents m'ont toujours parlé de mon arrière-arrière-grand-mère, j'aimerais bien la voir. Elle dit, non, on peut pas faire, je suis un génie, je peux pas faire revivre les morts. Choisis un autre vœu. Il dit, bah écoutez, j'aimerais que chez moi en France, il n'y ait plus de gilets jaunes, il n'y ait plus de problèmes, que tout le monde y m'aime. Il dit, bon, elle est enterrée où ton arrière-grand-mère?